Rétro Gaming Arrache, bonjour, micro la voix off, avec aujourd'hui comme testeuse. Tout simplement parce qu'on est en confinement et c'est la seule personne de Rétro Gaming Arrache que je peux avoir. Ouais. C'est Minimis de Rétro Gaming Arrache qui faisait partie des kids qui est revenu et qui va nous tester avec nous tout simplement le jeu Sims 4 sur la PS4. Il est également sorti sur la Xbox One et sur PC. Ouais. Alors bonjour Minimis. Salut. Donc tu vas nous expliquer ce que tu vas faire. Bah donc là je vais créer Rétro Gaming à l'arrache. En personnage. Oui. Donc si tu peux faire aussi également une publicité pour ta chaîne. Alors j'ai ma chaîne, c'est sur la cuisine et ça s'appelle Wewen2309. D'accord. Et avec nous, on a aussi la deuxième Minimis qui est trop petite pour faire la vidéo. La Minimis Baby à côté de nous qui s'éclate. Donc si vous entendez des bruits de bébé, bah, ça serait... c'est normal, chers amis internautes. Oui, je vois avec son rocher. Donc qu'est-ce qu'on va mettre prochainement dans la semaine? Donc vous aurez un décalage de 3-4 jours pour ce test. Donc c'est assez long au niveau des chargements que vous voyez. Ouais. Donc graphiquement, comment tu trouves ce jeu? Moi je trouve que ça va. Après ça dépend des goûts. Mais... Donc tu conseilles ce jeu à qui? À tout le monde? Oui. Donc tu vas nous expliquer comment tu crées ton personnage, comment tu crées une maison. Bah... Donc avant de créer Rétro Gaming Arrache, donc Mika de Rétro Gaming Arrache. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, t'es un garçon. Ouais. Est-ce que je sais? Je suis un garçon, c'est vrai que là... Donc, Mika... Des fois, au téléphone, quand les gens me téléphonent, ça peut arriver qu'ils se trompent, ils me disent « Madame ». Vas-y, donc on va faire Rétro Gaming Arrache. Voilà, on met pas le nom de famille. Hein. Donc t'es un adulte. Alors, donc il y a des gens qui m'ont déjà vu sur Rétro Gaming Arrache, sur la vidéo qu'on avait fait avec Kiki. Avec K59 pour participer à un Pékin Express. Après. Donc on a vu sur cette vidéo là et on peut également me voir sur les vidéos de comics. Il faut lire les bulles sur la chaîne Rétro Gaming Arrache. Après on peut choisir la voix, donc moi pour l'instant ça va la voix. Après on peut choisir une aspiration, donc toi c'est plutôt famille. D'accord. Et ça sert à quoi? C'est pour faire les comportements du Sims? Oui. D'accord. Ce Sims, ouais. Comme ça. Après, on peut choisir des traits de caractère. Donc, toi, déjà, c'est geek. D'accord, d'office. Gourmand aussi. J'aime bien. Et, je dirais que tu soignes tes jeux. D'accord, t'as aimé être crasseux, j'ai vu. Je suis pas crasseux. Donc, ta couleur de peau, non, ça va pas. Non, ça, c'est les joues, voilà. Donc, je suis un petit peu plus blanc. Quoi. Oui, comme ça. Hein? C'est jaune. Ça fait un chinois, non? Bon, bah, vas-y, fais comme tu le sens. Ouais, comme ça, je dirais. Hein. Ouais. C'était pas très bronzé. Bah, après, la tête, je trouve que ça va encore. La barbe, c'est à peu près comme ça. Par contre, on va enlever les lunettes, sinon je pourrais pas voir tes yeux. Donc c'est pas des lunettes comme ça que j'ai. Non, donc au niveau de tes yeux, ça va pas. T'as pas les yeux bridés. Donc du coup, on fait comme ça, on pointe sur les yeux et on a tous les yeux qu'on peut faire. Toi, t'as environ des petits yeux comme ça. Mmh. Je dirais. Non, pas comme ça, comme ça. Après, on peut les agrandir. T'as les yeux marrons, comme ça. Après, okay. On peut regarder plus près si on veut les agrandir, les bouger, tout ça. On peut agrandir la pupille, la rétrécir. Au niveau des sourcils, ils sont pas comme ça non plus. Bébé, il s'énerve. T'as des sourcils plutôt comme ça, je dirais.
Le nez, c'est pareil, ça va. T'as un nez. Alors, c'est bien pour faire les portées robots. Hein. Il faut savoir que sur le Sims, on joue qu'avec la. Sur le Sims 4, on joue qu'avec la... le jeu normal. On n'a pas acheté les DLC. Non. Donc, au niveau DLC, on peut rajouter, avoir beaucoup plus de choses au niveau du jeu. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a, donc... On avait fait une affaire, voilà. Quand même, pour l'avoir. Parce qu'on l'a eu relativement pas cher. Parce qu'il était débarrassé de ce jeu-là dans un Cro-Magnon. T'as des toutes petites lèvres. Comme ça. Voilà. Par contre, au niveau de la coiffure, non, ça va pas. J'ai plus de cheveux. Ouais, non. J'ai perdu mes cheveux. Donc t'es comme ça. Ah, un petit peu, ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Au niveau des oreilles, t'avais toutes petites oreilles. Non, des oreilles. Voilà. T'as des oreilles comme ça. Et au niveau là, t'as un tout petit menton comme ça. Voilà. Voilà, donc au niveau de la tête, ça donne à peu près ça. Ah, les lunettes, j'ai oublié. Ouais, je porte des lunettes mauvaise vue également. Ça, c'est quand on vieillit. On n'a plus de cheveux et on n'a plus de truc. T'as des lunettes noires comme ça, environ. Donc, comme tu vois, c'est pas mauvais. Voilà. Alors... Ah oui, ça ressemble un petit peu. Après, au niveau des tenues, on peut choisir la tenue de soirée, la tenue du jour, tout ça. Mais là, je m'habille pas comme ça. Je suis pas dans le coup, là. Je m'habille pas avec des trucs, c'est bon. Mais là, on va dire, je vais faire que la tenue du jour, sinon ça va durer trop longtemps. Et avec là, j'en ai une petite boudaine. Hein. J'ai un petit peu plus de boudaine quand même. Attends, je vais le faire après. Donc, t'as souvent un pull noir comme ça. Non, t'as pas les manches courtes. Non, les manches courtes. Voilà. Comme ça, bon, c'est normalement tu portes pas trop des trucs collants comme ça, mais bon, parce que j'ai pas plus large. Non, bah, ah si, il y a des pulls, mais il faut que je retrouve sweatshirt et sweatshirt. Le truc geek est sympa là, ou là, ouais, comme ça, ah ouais, ouais. Bien sûr, après le pantalon. Après, vous, pour les filles, vous pouvez avoir des robes, tout ça, mais bon, je pense pas que je vais l'habiller en robe. Hein. Après, le pantalon, c'est environ comme ça, hein, tu fais. Ouais. Voilà. Et au niveau des chaussures. Souvent des baskets. Ouais. Basket. T'as pas trop des baskets comme ça. Comme ça, non, c'est pas mal. Non, quand même pas. Non. Deux. Comme ça, non? Ouais. Ça ressemble à ça, tes baskets. Bon, après, au niveau de la mensuration du corps. Vous avez corps et peau, donc là, vous pouvez faire très musclé. Ah, celui-là, boudin. Là non, ça gère pas. Je suis pas petit quand même. Celui-là, c'est pas mal. Non, un petit peu plus maigre. Je suis plus maigre quand même. Attends, le corps il est bizarre là. Voilà. Attends, on va rentrer un peu. Donc après, vous pouvez choisir le corps, mais bon, vous pouvez l'ajuster hein, après. Voilà. Bon, t'as un corps un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Après, vous pouvez choisir les tatouages. Bon, il en a pas. Hein. Au niveau des bijoux, t'en as pas ça. Hein. Les bracelets, tout ça. Pas de bijoux. Voilà, on enlève. Bague. Non plus. Bah si, j'ai une bague. Ah oui, si. Voilà, une jaune. Bah après, c'est bon. Donc après, vous faites jouer. Après, Minimis, je vais pas te faire un toit là. Ah oui, c'est intéressant ce qu'elle fait. Hein, on a le. Petit. Ah oui, c'est ça. Un petit peu moins ça. Donc voilà, après ça charge, on va pouvoir dire où il va habiter, tout ça. Donc par après, contre, il va faire une maison. Hein, tu vas faire une toute petite maison pour montrer aux internautes. Là, je crois que c'est trop cher. Là, tu vas pas vivre avec une personne. Donc on monte un petit peu le jeu. Moi, j'habite là-bas.
Donc voilà les DLC qu'on peut avoir, il faut tout acheter. Donc où tu peux aller? Oh punaise, t'as pas de maison, hein? Rien, c'est trop cher. T'as que 20 000. Il est bien chargé, toi. Ah, celle-ci est pas mal. Non, tu sais, trop cher. Ah bah non, il y a déjà quelqu'un là. Là, il y a une. Ouais, non. Là, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Confirmé. Confirmé. Allez, c'est certain. On va aller voir la maison du Sims. Donc, c'est un jeu où il faut faire quoi dans les Sims? Si tu peux expliquer le jeu. Bah, comme dans la pub, elle dit, il faut jouer avec la vie, quoi. Donc, on fabrique des familles, puis après, on gère leur vie. Ouais, les personnages, ils vieillissent, tout ça. Puis, il y a pas mal de trucs comiques aussi. Les Sims peuvent mourir aussi en faisant le barbecue, j'ai vu. Ouais, par contre, il faut faire gaffe avec tout ce qui est avec le feu. Les Sims souvent ils se crament, hein. Moi ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, donc là il y a la cuisine. Bon, elle est pas très bien aménagée, je vais le refaire après. Là il y a la salle de bain, la chambre. Et ici ils peuvent faire du sport et tout ça aussi. Hein. Oui, mais moi j'ai fait la salle de sport dans mon village. La télé est toute petite, c'est une rétro que j'ai. Regardez la télé, c'est une télé rétro. Ces gazinières là, il faut vraiment faire attention parce qu'ils crament souvent les Sims. Hein. Donc on va passer à la... Qu'est-ce que j'avais dit encore? D'accord, ah bah d'accord, mon Sims il va pas faire mon feu. Il n'y a personne pour m'éteindre le feu en plus. Ouais, non bah tu vas mourir. Ah bon bah génial. La plus vivante du jeu. Ah, en plus, il y a une alarme. Mais pourquoi je peux pas annuler l'action? Bon, il n'aura pas fait très long coup. Hein. Ah, voilà. Mais tu vas le tuer? Bah, je suis obligé, je peux rien faire. Ah, bah, génial. Ah, bon, on va faire un jeu complètement pourri, vous voyez. Donc, en connaissant le jeu. Tu mettrais combien en note? Bah après il y a ça qui peut arriver souvent. Donc franchement je mettrais un 8 parce que des fois c'est bien. Sur 20 par exemple. Je mettrais 15. 15 pour le 6-4, c'est le conseil aux gens. Ouais. Et après. Parce que l'autre je vais convaincre. Mais c'est pas moi, c'est le Sims qui a choisi tout seul. Bon, Michael est déjà mort, on aurait pu gagner un rat. J'ai fait quelques secondes dans le jeu des Sims. Après là c'est la faucheuse. Donc la faucheuse elle vient récupérer les corps. Ah, bon elle par contre on peut rien faire avec elle hein. Ok moi j'ai fait 10 ans. Ouais. Et merci, moi je vais y mettre un 14 sur 20, un bon jeu pour les ados. Ouais. Et puis pour les plus jeunes, les adultes qui peuvent. Après, on peut jouer avec les obsesseurs parce que je les ai fait. D'accord. Ah oui, on pourra faire une vidéo avec les autres testeurs qui sont encore vivants, Nico est déjà décédé dans le jeu. À plus.